Bonjour, nous sommes la société Skin Jewel Tattoo. On produit des tatouages éphémères en forme de bijoux. Alors, les concepts, c'est simple, c'est comme n'importe quel tatouage éphémère qui se pose avec de l'eau, tout simplement. Par contre, les concepts de comment on porte ça, c'est plutôt comme des bijoux. C'est vraiment un bijou qu'on peut porter n'importe où, même à la plage, la piscine. Ça tient? Oui, ça tient, c'est résistant à l'eau. Ça tient de 3 jusqu'à 7 jours. Et nous avons 5 différents thèmes. Chaque thème, on va dire, c'est son hiver. Et là, c'est pour le tatou. À chaque pochette, nous avons 4 planches. Et chaque planche, là, c'est pour le tatouage. Vous pouvez le poser comment c'est indiqué sur la pochette. Sinon, aujourd'hui, je porte. Pour préparer un peu la peau avant, la nettoie avec quelque chose avant. Il faut qu'il n'y ait pas de parfum, pas d'huile, parce que ça peut s'abîmer avec l'huile, oh, ça pose pas bien. Les tatouages que j'ai aujourd'hui, c'est thème puissance. Oui. En bracelet, après on peut poser sous les mains, en forme de bague. On peut tout faire avec. C'est rare d'avoir des dorés comme ça aussi, avec beaucoup de dorures comme ça, non? Bah, justement, c'était pour ça, pour faire vraiment un bijou. Donc, c'est de l'argenté, du doré, un petit peu de noir, mais c'est surtout vraiment du métallique, du métallisé, parce que c'est vraiment l'éclat du bijou. D'accord. Ah, il y a une inspiration, je sais pas, orientale ou pas, non? Il y a quelque chose qui s'inspire? En fait, oui, c'est, en fait, chaque thème a son inspiration. Donc, ça peut être l'Inde, ou sinon. Les Indiens d'Amérique. D'accord. Ton concept hawaïen, ah ouais, des fleurs de biscuit. Donc chaque thème a son univers et c'est tatouage. Donc, ça, on peut les mélanger. Et ça tient donc pour aller à la plage, on peut se baigner avec, hein? Oui, on peut se baigner avec. Il faut faire attention à ne pas frotter. Et par contre, si on prend le soleil avec, quand on va l'enlever, il y aura les marques de bronzage. Ah, d'accord. Mais ça va être une jolie fleur, un joli bracelet. Ça, c'est le seul problème. D'accord. Ah, vous pouvez nous parler un petit peu de la commercialisation? Donc, c'est vendu alors par Internet, c'est ça? Alors, nous avons un site Internet, oui, où on fait de la vente au détail. D'accord. Ou sinon, nous sommes un revendeur en gros. Donc, c'est pour acheter pour les autres boutiques, on vend partout dans le monde. Ah, le nom du site alors? C'est skinjeweltattoos.com. D'accord. Ah, c'est vendu combien à peu près en prix public? C'est 26 euros par pochette. Chaque pochette contient 4 planches avec plusieurs tatouages. Alors, est-ce qu'il y en a pour les hommes? Est-ce que ça se... Parce que j'ai vu maintenant, il y a des hommes qui commencent à se tatouer ou alors, faire des fantaisies. Oui, pour l'instant, non. C'est un concept plutôt pour les femmes. Ouais. Mais c'est vrai que les hommes, ils sont intéressés. Il y a qui les posent sur eux. Après, c'est vraiment selon l'esprit de la personne. Hein. Après, on peut les découper et faire ce qu'on veut avec. Mais sinon, à la base, c'est les concepts, c'est pour la femme. D'accord. Donc, on le met partout sur le corps, ça pose pas de problème. Exactement. Partout, moi je l'ai sous les fronts, bagues, on peut même les mettre sous les ongles. Ah oui, oui, ça tient très bien. Donc là c'est un tatouage quand même qui est assez important, là il y a plusieurs, c'est en plusieurs morceaux, non ou pas? Oui, alors là c'est la pose de plusieurs bracelets en fait, mais on peut aussi en mettre un seul. Nous pour montrer, on met plusieurs, mais on peut mettre aussi juste un seul. On les découper, en faire moitié, on peut tout faire. Ah, le temps de la pause là, c'est rapide? C'est très très rapide. La pause elle est toute simple. Oui. Bon, juste à enlever la petite pellicule de protection. Regarde tout ce que tu as déjà dit, c'est lui là. Ouais. Sèche, propre. Après, avec un chiffon et un peu d'eau. Les papiers et voilà. Impeccable, magnifique. C'est merci beaucoup. Merci à vous.